Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Aujourd'hui, dans notre rubrique C'est bien chez nous, nous parlerons des ustensiles papou avec Duke Menango. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui, nous parlerons des sculptures donc, effectuées par des détenus du camp Est, donc dans un programme de réinsertion. Nous parlerons avec Anna Chiron. Et enfin, dans notre rubrique C'était hier, aujourd'hui, on revient sur l'exposition, sur la réédition du Japon, on en parle avec Camille Monnier. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Chauvet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'association Stop OGM. Donc, vous avez fait circuler une pétition hein, où vous avez recueilli 8000 signatures concernant le glyphosate. Alors, qu'est-ce que c'est que le glyphosate et qui l'utilise en fait? Alors le glyphosate, c'est le nom d'une molécule qui est utilisée en tant qu'herbicide, c'est-à-dire pour tuer les mauvaises herbes dans les champs ou les jardins. Et donc cette molécule, en fait, pourquoi nous on s'est intéressé à cette problématique, c'est que c'est une molécule qui a été conçue en fin des années 70 par le fameux Monsanto, donc le géant des OGM. Et donc elle est commercialisée depuis un bon moment. Le principal produit commercial connu est le Roundup de l'entreprise Monsanto. Et il faut savoir que c'est l'herbicide, c'est le pesticide qui est le plus utilisé au monde. Ça représente pour l'entreprise Monsanto 50% de son chiffre d'affaires. D'accord. Alors, quand on regarde un peu les informations qu'il y a sur ce produit-là, il provoque des mortalités cellulaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos chers téléspectateurs? Alors, en fait, il a fait l'objet d'une étude qui a été menée par l'Organisation mondiale de la santé, donc hein, c'est l'Agence sanitaire des Nations unies. Et qui a fait une déclaration donc en mars qui dit que le glyphosate, la molécule du glyphosate est un cancérogène probable. C'est-à-dire que cette dégradation cellulaire provoque des cancers chez les personnes qui utilisent le produit. Donc cancer du sang, cancer de la peau, cancer du rein, etc. Alors avant de continuer sur ce produit, votre but en fait de cette pétition, c'est d'interdire ce produit en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez déjà rencontré le président Thierry Santa, le président du Congrès. Et qu'en est-il de cette rencontre? Donc effectivement, nous ce qu'on demande, c'est une interdiction du glyphosate en Nouvelle-Calédonie. Ça, suite aux déclarations de l'OMS, il y a plusieurs États hein, qui ont décrété qu'ils arrêtaient d'importer cette molécule. Et donc nous, on a fait part de notre inquiétude, notamment pour l'utilisation des jardiniers, parce que c'est un produit qu'il faudrait manipuler avec beaucoup de précautions. Et aujourd'hui, il est en vente pour les agriculteurs, évidemment, mais aussi dans les supermarchés, dans les jardineries, etc. Il est beaucoup utilisé également par les collectivités pour le désherbage, notamment des fossés. Et donc, on l'a alerté sur la dangerosité au niveau de la santé et évidemment aussi sur l'impact que ça peut avoir au niveau de l'environnement, qui n'est plus approuvé. Donc, il nous a évidemment invité à rencontrer également le président du gouvernement, puisque actuellement, la réglementation sur les produits phytosanitaires à usage agricole est en cours de révision. Donc alors, c'est ce qu'on devrait obtenir un rendez-vous dans les jours à venir. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette réglementation en Nouvelle-Calédonie? Alors, c'est assez travaillé. Alors pour ce qui concerne ce que nous on a pu étudier de la réglementation, elle a l'avantage de désormais se baser sur les avis qui sont émis par la France, l'Europe. Et d'avoir des études particulières pour les produits qui viendraient d'autres destinations. Donc déjà, on part sur une bonne base. Mais ce qui nous inquiète, par contre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une réglementation, évidemment, sur les produits à usage agricole, mais pas de réglementation sur les produits à usage jardin, ni pour les collectivités. Donc ça, c'est un vide juridique quand même assez important, d'une part. Et d'autre part… Alors, si
l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, a donné un avis sur ce produit. Pourquoi ce produit est libre, on va dire, dans la commercialisation aujourd'hui, et pourquoi en Nouvelle-Calédonie on l'utilise, puisque l'OMS a donné son avis sur la dangerosité de ce produit. Alors l'OMS donne un avis, ensuite c'est aux États de prendre des dispositions pour interdire ou pas les produits qui sont classés cancérogènes probables, dans le cas du glyphosate. Donc au niveau de la réglementation en Europe, c'est la Commission européenne qui doit se prononcer en fin d'année, en mi-2016, sur le classement en fait cancérigène ou pas du glyphosate. Et ensuite, c'est les États membres de l'Europe qui vont déterminer si le Roundup peut être autorisé vu l'étiquetage qui a été annoncé. Et ensuite, là, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, a priori, vu le nouveau texte de réglementation, la Calédonie se basera sur l'avis de l'Europe et de la France pour autoriser ou pas la vente du glyphosate pour les usages agricoles et les usages jardins. Alors, on dit depuis le début de cette interview que ce produit est dangereux. Est-ce que vous avez des preuves au niveau mondial que ce produit a causé justement des effets sur, on va dire, voilà, des effets mondiaux sur les personnes par exemple? Alors il y a tout un tas d'études, hein, qui ont été menées au niveau mondial, et justement l'intérêt de ces études de l'OMS, c'est qu'elle regroupe toutes ces études et analyse en fait les résultats qui ont été obtenus se base là-dessus pour rendre son avis. Donc évidemment, oui, cet avis se base sur des preuves scientifiques qui montrent qu'il y a une prévalence des maladies, des cancers en cas d'absorption du Roundup, du glyphosate. À l'heure d'aujourd'hui, vos actions, c'est les actions que vous pouvez faire, c'est juste rencontrer les politiques pour que ça fonctionne, c'est ça? Voilà, et puis également à travers cette pétition, informer tout simplement, parce que les gens ne sont pas forcément au courant de ces problématiques-là, donc tout simplement aussi informer les jardiniers qui ont l'habitude d'utiliser ces produits et qui ne sont pas forcément au courant de la dangerosité que cela présente, parce que est-ce que les gens sont au courant qu'il ne faut surtout pas utiliser ce produit main nue, en claquette, dans le jardin? Voilà, c'est des produits qu'il faut manipuler avec précaution. Aujourd'hui, il y a une insuffisance d'étiquetage, évidemment, puisque pour l'instant, ce n'est pas indiqué. Qu'en est-il justement de cette politique d'étiquetage en Calédonie? Pour l'instant, évidemment, vu qu'il n'y a pas encore eu de répercussions de la déclaration de l'OMS sur les autorisations ou pas en Europe ou en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'étiquetage spécifique qui précise aux consommateurs que ce produit est un cancérogène probable. Donc c'est à chacun d'être vigilant et de s'informer pour manipuler ça avec précaution, voire carrément bannir son utilisation et opter pour des méthodes plus naturelles. Alors justement, vous l'avez dit, hein, chacun doit être vigilant. Quel est l'état actuel en Nouvelle-Calédonie de l'utilisation de ce produit, et comment on l'utilise en province nord, en province sud, en province île? Est-ce que vous avez justement des bilans sur ce produit en Nouvelle-Calédonie? Alors ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 000 litres de glyphosate qui sont importés tous les ans pour les usages agricoles, mais par contre on ne sait pas combien sont importés au total, puisqu'il n'y a pas de réglementation spécifique aux usages des particuliers et des jardiniers et des collectivités, donc on ne sait pas combien rentre effectivement sur le territoire. Après, c'est une molécule qui est assez bien connue des Calédoniens. Le glyphosate, il est en vente sous des formes commerciales comme le Roundup dans les grands supermarchés, dans les jardineries, mais aussi tout simplement dans des bouteilles qu'on trouve un peu partout, des bouteilles blanches où il est simplement indiqué glyphosate. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal connu ici, qui est utilisé aussi bien en province sud qu'en province nord, qu'en province des îles. Alors est-ce que vous avez prévu d'aller justement dans les tribus, dans les endroits, pour justement informer la population de ce produit? Nous, on a alerté, on a consulté, en fait, on a envoyé des courriers à tous les distributeurs de glyphosate en Nouvelle-Calédonie pour leur demander ce qu'ils comptaient faire quant à… Oui, mais c'est la population qui sont concernés par qui achètent ces produits-là. Je pense pas que c'est les distributeurs qui vont donner l'information à la population concernant ce produit-là. Je veux dire, c'est le commerce qui est important, c'est l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Voilà, mais je pense que plusieurs choses. Je pense que les vendeurs ont une responsabilité
À partir du moment où ils vendent ce produit, ils sont tenus d'informer les personnes de la dangerosité des produits, d'une part. Il y a certaines jardineries qui se sont engagées verbalement à retirer ces produits des étalages et les mettre à l'arrière en demandant, en préconisant des recommandations pour les consommateurs. Après, nous, évidemment, on informe. Bah, là, aujourd'hui, voilà, c'est un peu aussi pour ça qu'on mène ces pétitions. On a fait beaucoup de marchés pour informer les gens de la dangerosité, et c'est l'occasion avec cette remise de pétition de dire voilà, faites attention quand vous utilisez ce genre de produit, prenez des précautions. Après, je reviens à dire que c'est le chiffre d'affaires qui compte dans ce genre de commercialisation. Un mot pour finir concernant un appel à la population concernant ce produit, et quelles sont les actions pour terminer concernant ce combat concernant le glyphosate? Bah, moi, j'invite tout le monde à être très prudent quand il s'agit d'utilisation de produits chimiques en général. Il faut s'informer. Donc, il y a des méthodes aujourd'hui. Voilà, on parle beaucoup d'agrobiologie, agroécologie. Mmh. On peut utiliser des méthodes comme le paillage pour limiter la prolifération des mauvaises herbes dans les champs. Donc, privilégiez vraiment ces méthodes-là qui sont à la fois meilleures pour votre santé. Pour la santé des sols, et après quand on consomme ces produits-là, évidemment on n'aura pas à les ingérer, quoi. C'est vraiment penser à la santé, à sa santé, à la santé de ses enfants aussi. Claire Chauvet, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonjour Duke, aujourd'hui on parle de traits de la culture du peuple papou, et donc les papous, c'est ce peuple mélanésien indigène de la deuxième plus grande île de la planète. C'est ça, la deuxième plus grande île de la planète, pardon, donc la Papouasie. La Papouasie est donc séparée en deux. La partie sud de cette grande île donc est indépendante depuis 1975, et la partie nord, elle est toujours dominée par l'Indonésie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, elle a une population d'à peu près 6 700 000 habitants, et à majorité mélanésienne. Mmh. Quant à la population de l'île de Papouasie, dominée par l'Indonésie, la population mélanésienne, indigène, pardon, on n'a pas trop de chiffres parce que voilà, cette population-là est noyée un petit peu par les politiques de transmigration indonésienne depuis des dizaines d'années. Mais voilà, avant qu'on lance le reportage que Alexandre Sigura, notre collègue, a réalisé sur les ustensiles papous, je voulais qu'on revienne un petit peu sur des symboles connus ou peu connus de la culture, des traditions papous un petit peu. Et donc un des symboles qui unit justement le peuple papou, c'est l'oiseau du paradis. C'est vrai, Lisa. Alors cet oiseau du paradis, on le retrouve notamment sur le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut aussi dire que dans la tradition papou, du peuple papou, les plumes de cet oiseau-là sont utilisées, reviennent souvent dans la réalisation de jupes, de coiffes ou d'ornements cérémoniaux, si on peut dire ça comme ça. Donc cet oiseau-là est très important dans la culture papou, et très important aussi dans leur croyance. Parce que comme nous vieux, les papous croient au fait que la divinité se trouve un peu partout dans la nature. Mmh. Et puis donc, quand ils se rendent dans la forêt, quand ils sont dans leur champ, tout ça, et qu'ils entendent cet oiseau-là, cet oiseau du paradis chanter, ils se disent souvent que en fait, cet oiseau, le chant de cet oiseau, c'est un petit peu l'appel des esprits promis, des esprits de la forêt. Mmh. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour commencer sur la culture papou. – Et en parlant de cet art, papou, on voit que les objets traditionnels ont la cote sur le marché de l'art en ce moment. Mmh. – C'est vrai, ils en retrouvent dans les différentes galeries du monde entier. On peut retrouver maintenant cet art premier, cet art papou. Ça se traduit par quoi? Par des lances, par des vieux tambours ancestraux papous. Les objets les plus connus, c'est bien sûr les fameux boucliers là, mmh. que les guerriers papous arborent pendant leur cérémonie, pendant leur guerre. Et c'est vrai que on retrouve ça dans ces galeries, et puis de plus en plus, cet art-là, comme tu dis, qui est à la côte, il est vendu, bradé dans des sites de vente aux enchères, oui. sur le net. Alors il y a aussi, ce n'est peut-être pas un symbole, mais je pense à la noix ou la feuille qu'il mâche, justement sans cesse, qui rend la bouche toute rouge. – C'est vrai, alors en fait Élise, on appelle ça la noix de Bethel, ou la noix d'Arek. En fait ça ressemble plutôt à…
L'arbre, en fait, c'est un palmier. Et c'est cette noix-là, elle ressemble aux dattes un petit peu. C'est, en fait, on va dire que c'est une tradition chez eux de mâcher cette noix-là. En fait, le principe, c'est de retirer la noix. Je crois qu'ils mâchent un petit peu de cette noix, mais ils mâchent aussi la tige ou les feuilles de noix de bétel. Mais à ça, ils ajoutent aussi un petit peu de chaud et parfois des graines de moutarde. Et l'effet recherché, c'est que voilà, ça stimule un peu, ça excite un peu le corps. Et puis, c'est aussi un coupe-faim. Mais ce qui est important de noter, c'est que là, depuis quelques années, on a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tire un petit peu la sonnette d'alarme par rapport à cette tradition-là, de mâcher la noix de bétel, parce que d'après des recherches du Centre international de la recherche contre le cancer, eh ben, les experts nous disent que voilà, ça a des effets cancérogènes. D'accord. Alors les Papous, hein, c'est un peuple uni et leur diversité culturelle fait leur richesse. On rappelle que sur cette grande île d'Océanie, on parle plus de 800 langues. C'est ça, Elisa. Alors justement, pour témoigner un petit peu de cette richesse-là, c'est la richesse culturelle, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce reportage d'Alexandre Sigura sur les ustensiles Papous. L'art de la table ou l'art de manger existe bien évidemment partout sur la planète et spécifiquement en Mélanésie, on va parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, très peu des autres îles de Mélanésie puisqu'on va se concentrer sur des plats qui viennent des montagnes Prince Alexander dans le nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des plats qui sont fabriqués dans des contreforts de racines de grands arbres en Papouasie et qui sont travaillés essentiellement par les hommes. Donc là, on a une vision assez globale de ces plats que l'on dit, qu'on appelle les plats bouakennes. Les motifs qui sont inscrits au dos de ces ustensiles de cuisine sont très importants dans la culture des Papous. On a souvent des représentations comme celle que l'on voit ici, de forme de labyrinthe. Alors, on imagine que c'est un labyrinthe, mais on n'a pas eu d'explication très précise, ni des anciens, ni des jeunes, parce que ce sont des plats qui ne sont plus réalisés aujourd'hui depuis peut-être une cinquantaine d'années. Ces plats sont encore utilisés dans certaines cérémonies et on a interrogé quand même beaucoup de personnes au cours de ces 15 dernières années avec un ami qui s'appelle Christian Coiffier qui travaille au Musée de l'Homme à Paris. Ce type de plat, certains ont été sculptés en bord de mer, d'autres plutôt dans les montagnes, et on va se rendre compte que chacun a bien un motif particulier, voire un animal totémique qui est inscrit dessus. C'était des plats qui étaient souvent échangés entre les villages, soit au moment des mariages, puisqu'il y avait des formes de dot qui étaient apportées dans les familles des mariés. Et le plat était une des monnaies les plus importantes échangées au cours de ces cérémonies-là. On sait également que ce type d'objet pouvait servir également lors des cérémonies de funérailles, puisque des offrandes étaient offertes aux dieux, aux esprits. Donc il y a autour de ces objets un certain mysticisme qui existe au sein des clans de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors certaines nourritures sont considérées comme sacrées et dans différentes régions de Mélanésie, il était impossible de toucher avec les mains les aliments pour les porter à la bouche et ont été fabriquées donc des cuillères, voire des fourchettes. C'était le même cas à Fidji ou dans d'autres régions de Mélanésie. Ici, nous avons une cuillère qui servait à manger
De la soupe qui servait aux fameux guerriers avant de partir à la guerre, donc ils n'avaient pas le droit de boire directement dans le bol. Et ce type de cuillère qui vient de l'île de Manam, qui est une petite île située encore à l'est de la Papouasie, représente un ancêtre primordial ici, qui est une femme qui a donné naissance certainement à tous ces valeureux guerriers, et à un animal totémique qui est un lézard apparemment. On voit ces quatre pattes qui enserrent la cuillère et qui semblent protéger l'ensemble de l'objet. En haut, on remarque une petite tête d'oiseau qui devait être un symbole de clan également. La grande difficulté dans les régions et les îles de Mélanésie, c'est de pouvoir conserver la nourriture. Cette conservation, bien évidemment, vous en doutez, il n'y a pas de production de froid et les Papous, dans le cadre de ce travail, ont inventé des crochets à nourriture. Les crochets à nourriture, en fait, servent à suspendre dans la case un objet de la sorte qui présente à sa base deux crochets où ils font suspendre un sac avec à l'intérieur la viande et tout ce qu'ils veulent conserver pour éviter que les rats, que les chiens viennent justement grignoter leur nourriture. Donc on se retrouve dans une situation où sont suspendus dans la case à différentes hauteurs tout ce genre d'objets qui sont très importants parce que parfois la nourriture était destinée à des dieux ou à certains esprits. Et les motifs qui sont représentés dessus sont souvent des représentations d'ancêtres, voire de motifs tels que ce poisson qui est la représentation d'un animal mythologique sur le fleuve du Sépik. Alors le crocodile est représenté assez souvent sur les plats que l'on retrouve sur le fleuve Sépik ou également sur le fleuve Ramu. Ce sont les deux plus grands fleuves de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le fleuve Sépik mesure plus de 1100 km de long et le fleuve Ramu à peu près 600 km. Alors la représentation ici, on le voit sur cet ancien plat, on a un crocodile quasiment entier qui était destiné certainement à des cérémonies soit funéraire, soit de mariage. Le crocodile représente en fait le symbole de la naissance de l'homme, puisque la mythologie explique que lorsque le crocodile est sorti de l'eau et monté sur la terre, il s'est transformé en homme. Un des derniers plats que je voudrais vous montrer, c'est un plat qui est lié au monde de la chauve-souris. La chauve-souris est considérée chez les Papous comme un animal très important puisqu'il est lié souvent avec la mort et avec la naissance. Donc on voit que la représentation de la chauve-souris est complète sur ce plat. Elle, en général, elle s'accroche à l'envers puisqu'elle a la tête en bas et c'est pour ça qu'elle est liée au monde de la mort. Mais également dans la mythologie papou et surtout sur le fleuve Sépik, on dit que les chauves-souris peuvent donner, elles sont liées à la femme en tous les cas, et lorsque les femmes accouchent, on parle du totem chauve-souris. Si les fabricants de ces objets utilitaires désiraient faire passer un message à leurs descendants, celui-ci est aujourd'hui impossible à déchiffrer. Par contre, la valeur esthétique de ces gravures, de ces sculptures, demeure et celle-ci permet de considérer certaines d'entre elles parmi les plus belles œuvres d'art réalisées par des villageois de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, donc merci pour cet aspect de la grande richesse culturelle du peuple papou. Alors, merci Elise et merci encore à vous à la maison.
Bonjour Anna, nous parlons sculpture aujourd'hui avec une exposition du côté du musée de la Nouvelle-Calédonie, donc l'expo Origine. Bonjour Élise et bonjour à tous. Une expo pas comme les autres, puisque ce sont des sculptures qui ont été créées dans le cadre d'un projet de réinsertion avec des ateliers qui étaient mis en place directement au centre pénitentiaire, le camp Est. Alors, une exposition à vocation citoyenne en quelque sorte. Voilà, et elle vise à faire valoir en fait les capacités d'insertion ou de réinsertion, et tout ça dans le respect des histoires individuelles et aussi collectives. Alors, des ateliers qui ont duré combien de temps ? Eh bien, cela s'est fait sur une année, et c'était avec l'aide d'un intervenant qui est Monsieur Francis Lauter, et tout ça au sein d'un atelier qui s'appelle Totem et Liberté. Alors, un projet initié, faut le dire, par le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Oui, voilà, et le SPIP, on rappelle qu'il vise notamment au développement de l'action culturelle qui est proposée aux personnes qui sont détenues, et c'est un service qui est composé d'une antenne mixte sur Nouméa et d'une antenne aussi en milieu ouvert à Koné. Alors, il n'y a pas que la sculpture, il y a d'autres actions. Alors, quel genre d'activités sont proposées aux détenus ? Ben, il y a eu en fait plusieurs activités proposées. Par exemple, il y a eu des concerts dans l'enceinte justement du camp Est. Et puis il y a eu aussi du chant, du théâtre, de l'écuthérapie aussi. On en avait d'ailleurs parlé déjà. Il y a du sport, ils ont aussi la possibilité de faire du sport. Et même de l'agriculture, puisqu'ils ont pu faire leur petit champ d'igname par exemple. Et puis il y a aussi des potagers, voilà un peu pour les activités. Des activités très variées finalement. Il en faut pour tout, pour tous, pour tous les goûts. Et puis, justement, le service, eh bien, il cherche à diversifier les ateliers pour pouvoir intéresser un maximum de détenus. Voilà, et on peut rappeler, d'après Francis Lauter, que cet atelier, pour ces ateliers, ils étaient 12 participants. Oui, 12 personnes détenues de culture, d'origine, de milieux différents, et qui sont au cœur d'un processus de création. Et justement, comme tout projet de réinsertion, eh bien, il vise à leur donner le goût de tisser des liens affectifs, des liens moraux, des liens sociaux, professionnels avec la société. Et puis je tiens à préciser que ces ateliers, eh bien, ils étaient sécurisés puisqu'ils utilisaient justement, ils devaient manier les outils pour la sculpture. Donc chaque soir après l'atelier, M. Lauter recomptait en fait s'il y avait bien tous les outils, et s'il en manquait un, dans ce cas-là, personne ne sortait pour restituer le fameux outil. Et puis on peut aussi préciser que le bois, eh bien, il a été prélevé dans la forêt du Mont-Cougui, et que pour certains, ils arrivaient à peser quand même près de 500 kilos. Voilà un peu pour les petites précisions. Et moi, je te propose de regarder justement ton reportage. Mmh. Et tu étais accompagné pour le coup de Duke Menongo et d'un stagiaire, Erwan Tiaeou. Voilà, on regarde votre reportage. Le musée de Nouvelle-Calédonie tient à remercier Francis Lauter, Marianne Vidal et le service pénitentiaire de nous avoir fait confiance et permis de présenter cette belle exposition, de nous avoir donné l'occasion de rencontrer les détenus du collectif Totem Liberté en partageant des petits bouts de leur vie, eux hier, eux aujourd'hui et eux demain, des petits bouts de messages à travers leur création et tout simplement d'avoir fait un petit bout de chemin avec eux à travers ce projet d'exposition. Merci les artistes. Donc je suis sculpteur et j'anime l'atelier de sculpture du camp Est qui s'appelle Totem et Liberté. Le choix des détenus. Donc je demande un engagement total de la part de la personne qui a envie de s'engager dans la sculpture. Après, elle doit passer par une commission de discipline pour savoir s'il n'a pas eu des problèmes avec les surveillants ou s'il n'est pas conflictuel, s'il n'est pas bagarreur, etc., etc. À partir du moment où il passe ces deux tests, on va dire, il rentre dans l'atelier. Dans cet atelier, les premiers 15 jours,
je vais lui faire faire une petite sculpture. Je vais voir si il a eu l'héritage des anciens, l'héritage du sculpteur, quoi. L'héritage des vieux, quoi. Et on voit tout de suite si au bout d'une semaine, 15 jours, si la personne déjà elle tient l'outil, elle se débrouille, elle sait faire, etc. Déjà à la base, moi je suis un dessinateur. Puis, en voyant toujours les copains au coin, les détenus, partir dans l'atelier Totem Liberté. Puis, après, ça s'est fait de fil en aiguille. Ils ont parlé à l'intervenant de l'atelier sculpture. Et ils ont parlé de mes dessins. Puis, après, c'est comme ça que j'ai intégré l'atelier. Francis, lui, nous a demandé de nous expliquer comment ça fonctionne, l'atelier. C'est comme l'a fait avec tous les autres avant. C'est des outils dangereux. Lui, il ne va pas nous laisser tout de suite. Voir d'abord si on maîtrise le maître du matériel. C'est 25 heures par semaine, du midi 15 à 17h30, et il y a des gens qui voudraient bien être là, à discuter avec les copains, on boit le thé, on boit le café, on écoute. C'est très convivial, c'est très physique, c'est très contraignant, c'est une épreuve, mais on concilie les deux, quoi. Donc on peut parler, on peut échanger. Ben, par semaine, on avait 5 heures tous les après-midi. On sortait de cellule, on mangeait à 11h, puis après, l'après-midi, à partir de 1h, de 13h à 17h, chaque jour, le lundi au vendredi. C'est la plupart des ateliers, mais c'est des cours, c'est 1h, 2h, avec la sculpture, c'est tout l'après-midi, 5h. Quand ils sont dans cet atelier, tout de suite, ils sont transformés, ils sont portés par la sculpture. Si vous travaillez dans un atelier normal, n'importe où, à Ducos, enfin, où vous voulez, quoi. Vous êtes dans un atelier, vous êtes dans un bâtiment. Là, c'est pareil. Donc, vous êtes dans un bâtiment, vous sculptez. On oublie même, à la limite, qu'on est en prison. Si, des fois, on entend des hurlements de pauvres mecs qui sont enfermés et qui dans leur tête, ça ne va pas du tout. Mais en ce qui nous concerne, ça se passe super bien. C'est vrai que... Au coin, j'ai passé plus des heures à apprendre à sculpter, chercher l'inspiration. Surtout pendant l'enfermement. Les idées, ils travaillent beaucoup. C'est comme ça, ça m'est venu naturellement. Peut-être l'enfermement aussi, ouais. On travaille plus d'imagination. On s'occupe de l'esprit, on n'a rien d'autre aussi que le dessin. Dans la sculpture, tous les jours, c'est le travail qu'on a laissé la veille. C'est toujours des nouvelles choses qui viennent à l'esprit. Par rapport au bilan, depuis le début, depuis 2012, ça a été une première expérience, c'était l'expérience Le Destin Commun. Donc mettre deux personnes qui, en principe, ne s'entendent pas, les mettre ensemble pour sculpter la même pièce. Ça s'est très, très bien passé. On a fait 4 totems qui ont été vendus au congrès. Ça, c'est du bois noir. C'est du bois noir. Au départ, ouais, c'est... J'ai l'idée de faire un homme avec un homme lézard ou un homme avec un lézard. Par contre, c'était partager le bois. Puis moi, j'ai vu que... Ouais, vous pouvez le faire comme ça. Mais sinon, au départ, il n'y a pas d'idée. C'était juste comme ça, l'imagination. Il y a une prise de conscience terrible chez les jeunes, peut-être. Mais c'est évident qu'une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont responsables, ils doivent se prendre en charge. Alors moi, je suis toujours là pour les aider, les orienter, par exemple, pour acheter des outils, pour exposer, pour vendre. Attention, un tel, c'est un voyou, il va te prendre... J'ai connu des gars qui ont vendu 3000 francs à un vendeur, et puis lui, le vendeur, il revendait la même sculpture 30 000 francs. Non, je fais des commandes. Moi, je continue à faire des commandes. Ouais. Voilà, parce que les gens, après, ils veulent acheter. Toujours des pièces en plus. Non, c'est avant tout, c'est de la passion. L'objectif, c'est quand même d'essayer de le faire sortir en libération conditionnelle, certains 3 ans, 5 ans. En libération conditionnelle sur un métier de sculpteur. Alors quand vous sortez 5 ans avant de votre fin de peine, c'est vraiment, c'est gagné, quoi.
comme ça m'a permis de beaucoup de choses aussi. Déjà, premier point là, déjà, la sculpture, déjà, j'ai appris en premier. Après, en ce moment, je suis dans le cadre de libération conditionnelle. Donc, je suis libéré pour faire de la sculpture. Ça m'a apporté beaucoup de choses ici. C'est une belle initiative et bien à savoir que cette exposition est visible au musée de la Nouvelle-Calédonie. Hein, hein. Et justement, on vous rappelle peut-être les horaires et les jours. Il est ouvert tous les jours sauf le samedi et les jours fériés. Et c'était ouvert de 9h à 11h30 et de 12h15 à 16h30. Voilà, merci Anna. Allez, tata. Aujourd'hui, donc, nous parlerons dessert dans notre rubrique Fin Bon, c'est les vacances. Donc les enfants, si vous souhaitez une recette très simple pour aujourd'hui, NCTV vous donne quelques idées, donc des desserts à offrir à vos parents et à toute la famille. Je vous propose la recette du cupcake. Aujourd'hui, je vous propose de faire des cupcakes. Pour 18 cupcakes, il vous faut 4 œufs, 200 g de beurre, 200 g de sucre, 200 g de farine et 4 cuillères à soupe de lait. On va mélanger le tout et la pâte doit former des grumeaux et doit blanchir. Une fois cela terminé, nous allons tamisser la farine de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je précise que la farine, c'est une farine avec levure. Voilà. Une fois cela terminé, j'ajoute 4 cuillères à soupe de lait. Voilà. Ensuite, on remélange. Une fois que vous avez terminé de mélanger, normalement la pâte doit avoir blanchi. Elle ne doit être ni trop liquide ni trop compacte. Je vais remplir mes caissettes de pâte. Je mets à peu près une cuillère à soupe dans chaque caissette. Voilà, nous avons terminé de remplir nos caissettes. Alors maintenant, nous allons les faire cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. J'ai sorti les cupcakes du four, attendu qu'ils refroidissent et maintenant je vais faire la crème au beurre. Alors pour cela, vous aurez besoin de 200 g de sucre glace ainsi que de 100 g de beurre. Alors pour commencer, voilà, je vais mettre les 200 g de sucre glace. Je vais tout écraser avec mes doigts et ajouter les 100 g de beurre. Moi, je préfère mélanger avec les doigts car je trouve que la pâte ensuite, elle est plus lisse, plus facile à travailler. Voilà, je vais ensuite ajouter du colorant alimentaire, environ une cuillère à café. Et j'utilise la cuillère pour éviter de me tacher les doigts. Voilà, j'ai terminé. Et ensuite, je vais remplir ma douille avec la crème au beurre. Voilà, ma poche est remplie. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la décoration. Alors, j'ai choisi une crème au beurre rose car c'est féminin. Et des vermicelles bleues pour que ça ressorte bien. Là, on va faire des rangs. Maintenant, nous allons ajouter les vermicelles, voilà, sur le rose, du bleu et du vert et orange de différentes formes pour que ça soit plus rigolo.
Alors voilà, maintenant que les cupcakes sont terminés, on va les mettre 15 à 20 minutes au réfrigérateur pour que la crème au beurre durcisse. Et ils vont être prêts à être dégustés. Merci de m'avoir suivi. Et je vais déguster mes cupcakes avec mon frère. Bonjour Camille, nous sommes dans le 70e anniversaire de la libération de la France hein, et de la victoire sur le nazisme. Et aujourd'hui, tu reviens sur un événement qui va marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici dans le Pacifique, hein, la reddition du Japon. Oui, bonjour Élise, bonjour à tous. Nous sommes le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Cela marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour mieux comprendre cette page de l'histoire, il faut donc remonter le temps et surtout rappeler les faits. À cette époque, eh bien, le Japon est un allié de l'Allemagne de Hitler et de l'Italie de Mussolini. Rappelons que le 7 décembre 1941, eh bien, le Japon de l'empereur Hirohito attaque la base américaine de Pearl Harbor. Le Japon s'engage donc dans la Grande Guerre mondiale. Alors, peux-tu revenir sur cette attaque? Comment cela s'est déroulé? Eh bien, c'était une attaque surprise hein, par l'aéronavale japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor, hein, située sur l'île de Oahu, dans l'archipel de Hawaï. Donc, il est environ 7h40 le dimanche 7 décembre 1941. Une première vague d'assaut pique donc vers l'Arat. Il faut rappeler que l'amiral Yamamoto donc, souhaite détruire hein, la flotte américaine pour permettre au Japon eh bien, de poursuivre sa conquête de l'Asie. Et pour cela, eh bien, la flotte nippone est conséquente. Au total, il y a 6 porte-avions, 423 avions, 27 sous-marins qui sont mobilisés. Et donc, la deuxième frappe va se dérouler à 9h45. En seulement 2 heures, eh bien, les Japonais détruisent à peu près 8 cuirassés, ainsi que 3 croiseurs, 3 destroyers aussi, 4 navires auxiliaires et 188 avions. Au total, 2403 marins américains sont tués. Du côté des assaillants, eh bien, les pertes sont faibles. 29 avions et 55 tués. Voilà, donc c'est cette attaque hein, qui va en fait entraîner un revirement immédiat de l'opinion publique américaine. Les États-Unis eh bien, se lancent directement sans attendre contre l'Allemagne d'Hitler et le Japon de l'empereur Hirohito. À partir de là, eh bien, les États-Unis vont se lancer dans une série d'attaques contre le Japon, mais le Japon reste tout de même déterminé. Les États-Unis vont perdre beaucoup d'hommes dans ces batailles. Alors pour faire fléchir le Japon, la première puissance industrielle du monde va lancer sur Hiroshima et Nagasaki le 9 août 1945 deux bombes atomiques. Selon certaines estimations, au total plus de 220 000 hommes vont perdre la vie sur le coup, mais aussi quelques années plus tard des suites des radiations. Voilà, il faut dire aussi à la veille hein, de l'attaque de Nagasaki, hein, l'URSS a déclaré la guerre au Japon et lancé ses troupes sur la Mandchourie. Exactement, et c'est ces deux actions hein, qui vont eh bien, convaincre les généraux japonais de mettre fin à la résistance désespérée. Donc le 2 septembre, le général américain MacArthur reçoit donc la capitulation sans condition du Japon. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette histoire en images. Cette année 2015, c'est donc la fin de la guerre du Pacifique, la commémoration de la fin de la guerre du Pacifique, qui a eu lieu le 2 septembre 1945. Aussitôt après l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, les troupes américaines et alliées donc, ont énormément avancé dans le Pacifique. Les Américains se sont retrouvés en dernier devant Okinawa. Ils ont envoyé le maximum de bateaux devant cette île pour dire « Tiens, on va rayer l'île de la carte, il n'y en a pas pour longtemps. » Sauf que ça a duré quand même 82 jours, l'opération.
Et c'est là qu'on a vu les kamikazes arriver, une première. Ils étaient vraiment déterminés à défendre leur île, les Japonais. Il y a eu environ 65 000 morts, aussi bien entre les Japonais et les troupes alliées. Et c'est là, le 6 et 9 août 1945, il y a eu le largage des bombes atomiques sur le Japon. Là, ça a donné à réfléchir principalement aux autorités japonaises. Et en plus, les Soviétiques ont complètement repris la Mandchourie. Donc l'armée japonaise était en déroute. Et c'est là que le 2 septembre 1945, sur le Missouri, il y a eu la reddition du Japon. Parce que il n'y avait plus espoir de continuer cette guerre. Et donc ça a été totalement la fin du Japon et ensuite l'occupation américaine au Japon pendant plusieurs années pour sa reconstruction, justement. Et il faut savoir qu'à l'époque, pendant la guerre du Pacifique principalement, tous les Japonais qui étaient en Nouvelle-Calédonie ont été ramassés, on peut dire, et ensuite envoyés dans des camps en Australie comme prisonniers. Les Japonais étaient en Nouvelle-Calédonie depuis l'époque de la colonisation. Ils ont tous été envoyés dans des camps pour être sous surveillance, évidemment, des autorités militaires américaines et alliées. Il y a eu aussi le séquestre japonais, on appelle le séquestre japonais. Les Japonais ici étaient donc petits mineurs, étaient commerçants, forestiers. Donc toutes leurs affaires ont été complètement réquisitionnées et par le gouvernement français. Les rafles japonaises ont été principalement sur les hommes. Principalement, les Japonais avaient quand même des familles ici. Il y en a qui se sont mariés avec des Mélanésiennes, donc il y a eu énormément de métis. Obligatoirement, il y a des familles qui ont été déchirées, puisque les Japonais avaient des enfants, et même des enfants en bas âge. Mais les autorités militaires ne faisaient pas de quartier à cette époque-là. Donc tout ce qui était considéré japonais était considéré comme ennemi. Mais il y a eu quand même une ou deux exceptions, puisque les Japonais, certains étaient quand même agriculteurs. Et ils ont pu rester pour contribuer à l'alimentation des troupes américaines qui étaient stationnées en Nouvelle-Calédonie. Mais quand même sous surveillance, évidemment. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Alors la reddition du Japon s'est faite sur un bateau qui s'appelle le Missouri. C'est un gros destroyer américain. Et le principal acteur de cette reddition, c'était MacArthur, qui était le chef des armées. Et ensuite, il y a aussi l'amiral Nimitz, qui était lui grand patron de la Navy dans tout le Pacifique. Il y a eu aussi plusieurs acteurs qui ont signé cette reddition. Principalement, il y a eu aussi, des gens l'oublient, mais il y a eu un Français qui s'appelait le général Leclerc. Et il y a eu des Soviétiques, il y a eu des Néerlandais, des Australiens, des Néo-Zélandais. Et du côté des Japonais, évidemment, il y a eu un attaché du gouvernement, un ministre qui a représenté le souverain de l'époque qui était Hirohito. Les chefs des armées, chefs de l'aviation et chefs de la Navy, tout cela ont signé donc l'acte de reddition. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, il y a eu une grande fête dans la baie de Tokyo. Il y a eu un défilé de bateaux américains, évidemment, et de l'aviation, qui ont survolé tout le secteur. Il y avait plus de 200 avions qui ont survolé le Missouri. Une fois que la paix a été signée, ces Japonais ont été donc transférés au Japon. Il y a eu quand même des réticences, parce que les Japonais disaient « Oui, mais moi j'ai ma famille en Nouvelle-Calédonie, je voudrais retourner en Nouvelle-Calédonie. » Donc les autorités australiennes ont dit « Pas question, vous partez tous au Japon là-bas. » Ah, mais les gars, ils disaient, oui, mais alors, moi, je ne vais plus retrouver ma famille là-bas, tout ça. Bon, ils sont tous repartis là-bas. Mais il y a eu quand même les familles restantes sur le territoire, les épouses et tout ça, ont fait des démarches pour que les pères et même les grands-pères reviennent en Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu quand même des gens qui ont pu réussir à refaire venir leur famille sur le territoire. Il faut savoir que ce n'est que quand même qu'une minorité de Japonais qui ont pu revenir du Japon sur la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir quand même des moyens
même financier, pour faire venir ces familles et avoir les autorisations du gouvernement de l'époque aussi. Donc il y en a beaucoup qui sont restés quand même au Japon. Voilà, donc le 2 septembre 1945, date donc à retenir. Oui, exactement. Et si vous voulez aller plus loin dans cette histoire, je vous invite donc à vous rendre au musée de la Seconde Guerre mondiale à Nouméa, là où a été tourné en partie ce reportage par Alexandre Sigura et Mathieu Le Barbier. Le musée donc consacre jusqu'au 13 décembre une exposition sur le 70e anniversaire de la signature de la reddition du Japon. Donc voilà une exposition pour marquer que même si les conflits en Europe étaient terminés, dans le Pacifique, ça s'est poursuivi jusqu'au 2 septembre 1945. Rappelons aussi que la Nouvelle-Calédonie verra seulement en 1946, un an plus tard, les soldats alliés quitter l'archipel. Voilà. Voilà, merci Camille pour l'histoire. Merci Élise, à bientôt. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne.